Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Chouk Barbecue. Aujourd'hui on va parler dessert et ça va se passer directement sur le barbecue avec des super bons pommelos grillés. Une recette qui va juste vous prendre quelques minutes et ça va être vraiment super bon. Alors de quoi allons-nous avoir besoin pour cette recette? Des pommelos, du sucre vanillé tout simplement, et de la chantilly. Comment on procède? Ça va aller extrêmement vite. On coupe notre pommelos en deux. Hop, comme ceci. S'il y a quelques pépins, on les enlève. Hop. Ça va, ceux-ci n'ont pas beaucoup de pépins, c'est très bien. Ensuite, du sucre vanillé, tout simplement. Voilà. On en met directement sur le pommelos. Faut pas hésiter à en mettre. Ça va casser quand même l'amertume du pommelos. Hop. Voilà, ma recette est terminée. Il n'y a plus qu'à passer sur le barbecue. Pour la cuisson, rien de plus simple. Bon, là j'utilise mon barbecue à gaz. J'ai allumé que deux brûleurs sur les trois. Si vous utilisez le barbecue à charbon, ça ne va rien changer. Vous faites vos braises habituelles, il n'y a pas de problème. Je mets ça côté pot, directement au-dessus du feu. Et je vais laisser comme ça un bon 10 minutes, un quart d'heure. Comme ça, le sucre aura bien le temps de s'imprégner à l'intérieur du pommelos. Regardez-moi ça, après un bon 10 minutes, je peux vous dire que ça va vraiment être top. On va maintenant procéder à la suite de la cuisson. Vous prenez vos pommelos comme ceci et vous les retournez directement. Hop. Là ça va être assez rapide, ça va être juste pour faire légèrement caraméliser le sucre. Voilà, juste quelques minutes de cuisson et c'est parfait. Ça va vraiment être un régal, je peux vous dire que quand j'ouvre le barbecue, ça sent vraiment terriblement la vanille, ça sent super bon. Voilà, mes pommelos sont vraiment parfaitement grillés. Comme je vous avais dit, maintenant, un peu de chantilly sur les côtés. On viendra tout simplement, avec une cuillère, prendre un morceau de pommelos et le tremper dans la chantilly. Ça va être vraiment un délice, les amis. Voilà, les amis, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Je ne vous avais pas menti. Ça dure vraiment quelques minutes avec le passage sur le barbecue. Ça sent vraiment super bon, on va vraiment se régaler. Je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit like, rejoindre ma page Facebook, mon compte Instagram. Donc voilà, à bientôt les amis, ciao !